show de l'heure. Avec le chanteur de l'heure, Monsieur Rodrigue. Marcel. Yes. DJ Fly est là. DJ Fly. Le Jen and Jen Show. Oh yeah. Nous voilà bien passés. Le Jen and Jen Show. Exactement. Oh, show. Show. Une dans l'autre édition de Jen and Jen Show, show parle, show femme, show tout qu'a regardé nous. Et nous connaissons pour faire show ça, toujours besoin de jumelles, moi. Bonjour. Ma moitié. Bonjour Jen. Bonjour. Bonjour. Toujours contente de faire l'émission avec toi. Tu sais déjà. Oui. Alors, je dois saluer monsieur et l'artiste de l'heure et l'artiste que j'aime beaucoup, que j'ai. Depuis mon tendre enfance. Alors, c'est Monsieur Rodrigue Marcel. Bonsoir. Bienvenue à Jen and Jen Show. Je suis contente de te voir ce soir. Et aussi, on a un DJ avec nous, un DJ international sous le nom de DJ Fly. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. À Jen and Jen Show. Alors, vous savez, comme toujours, là, aujourd'hui, on a décidé de faire les choses autrement, toujours en créole. Alors aujourd'hui, ça va être en français. Hein? Exactement. Et exactement, pourquoi pas? Parce qu'on est dans les Antilles aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez de nous suivre, continuez de vous abonner. Et vous savez, qu'est-ce que vous devez faire quand vous allez vous abonner? Il y a une petite cloche en haut à droite, toujours cliquez et vous allez avoir tout. Toutes les bonnes choses que Jen and Jen Show a réservées pour vous, comme toujours. Exactement. Alors, Monsieur Rodrigue, encore merci d'être là ce soir. Est-ce que je vous dis merci ou... Ben, c'est un merci partagé. Le merci collégial. D'accord. Ça fait plaisir d'être là, merci. D'accord. Alors, Monsieur Fly, contente de vous connaître parce que normalement, à Jen and Jen Show, on est vraiment à l'aise avec tous nos invités. D'accord. Alors, mets-toi à l'aise. Je suis à l'aise. Est-ce que je vous tutoie? Est-ce que je vous tutoie ou... Est-ce que tu me tutoies? Ah bon, tu. Voilà. Alors, on va aller avec le tu, hein? Jen, je pense que tu as beaucoup de choses sur la planche. Oui, oui, comme toujours, comme toujours. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, parce qu'on sait déjà qui tu es, mais quand même. Exactement. Ici, à Jen and Jen Show, il faut toujours se présenter, parler de toi exactement, d'où tu viens, parce qu'on sait que tu viens de loin. Ben, du moins, ça dépend. Bon, je viens de la Martinique, qu'est-ce que je fais? Mais pour ici, c'est toi. Bien sûr, bien sûr. Donc, alors, oui, Rodrigue Marcel, je suis Guadeloupéen, habitant en Martinique. Ah oui. Et je suis Guadeloupéen, plus précisément, je suis de Basse-Terre. Oh, Basse-Terre. Ah, qui connaît Basse-Terre? Moi, je ne connais pas Basse-Terre. Moi non plus. Mais il y a des gens, il y a des gens là qui connaissent. Mais c'est... Ah, bon. Oui. Derrière l'écran. Derrière l'écran, je sais qu'il y en a beaucoup. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent. En tout cas, c'est les Basse-Terre qui me regardent, salut. C'est exactement ça, en effet. Hein. Alors, comment tu as passé de la Guadeloupe et traversé à la Martinique? Est-ce que ça a été dès ton jeune enfance ou ça s'est fait? Non, c'est tout simple. Je me suis dit non, c'est tout simple. La musique nous emmène un peu partout. Bon, faut savoir que j'habitais la Martinique 20 ans avant. Et puis 20 ans après, je suis revenu m'installer en Martinique. Donc ça veut dire que je suis en Martinique depuis 2015. Ça va faire 3 ans. C'est aussi simple. Aussi simple. Depuis 3 ans. C'est simple que ça, oui, Jen. Non. Alors, imagine-toi, moi, si un jour je pars pour Martinique, je pense qu'on va aller toute la gang ensemble et on va visiter là-bas parce que j'aimerais bien visiter là-bas un jour. Hein. C'est très bien. J'aimerais bien. Et aussi, là, parce qu'il ne faut pas t'oublier, DJ Fly. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de où est-ce que tu sors exactement, où es-tu né? Juste. Je viens de Martinique également. Donc là, voilà, je suis arrivé aujourd'hui à Montréal. Pareil, ça fait à peu près 18 ans que je mixe. Oh. Voilà, je suis déjà venu plusieurs fois mixer à Montréal également. Et voilà, la CM Events me fait revenir pour une super soirée. Donc, je suis fier d'être ici.
même si vous êtes venu dans le froid. C'est pas encore le froid, c'est le grand froid. On m'a dit tout à l'heure, il fait bon. Oui, c'est vrai, il fait bon, pluvieux, parce que c'est la période pluvieuse pour nous à Montréal. Mais au moins, vous n'êtes pas venu dans la neige. Mais on ramène la chaleur. Oh oui. Voilà. Ça tu peux le dire, parce que moi je commence à avoir chaud hein, ici. Là. Je ne sais pas pour toi, Dieu. C'est sûr, depuis qu'on est dans les Alpes. Alors, Rodrigue, est-ce que je peux dire Rodrigue ou Monsieur Rodrigue? C'est mon chanteur que j'aime, je peux l'appeler Rodrigue. Hein? Je pense pas que ça serait sympa de m'appeler Monsieur Rodrigue. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Montréal actuellement? Là, tu es à Montréal, tu as fait un long chemin pour venir ici. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Montréal? J'étais invité par une association fort sympathique. On peut dire association, non? Oui, ça suit une association de gens charmants et sympas, de jeunes, d'une trentaine d'années. Et j'ai eu la chance, notamment, d'être approché par Cédric, qui s'appelle Cédric. Okay. Ma grande surprise, enfin oui, on peut parler de ma surprise, je suis venu à Montréal il y a tellement longtemps, à l'époque j'étais venu avec un groupe qui s'appelait Acoustic Zouk avec Aftamar, Mario Canonge. C'est quoi le nom encore? Acoustic Zouk. Acoustic Zouk. Le groupe qui a eu un succès avec une chanson qui s'appelle La Fond d'Avenir, qui est une azure. Mmh, okay. Donc une tournée qui nous a emmené à. Alors ça fait déjà combien? J'ai dit 1980. 1992 à 2018. Oh my god, ça fait longtemps. Content. Donc alors, je disais que j'étais approché par Cédric, effectivement, qui m'a permis de revenir ce jour, on aura plaisir de pouvoir présenter quelques de mes chansons. Pas juste tes chansons, de bons succès aussi. C'est avec plaisir, je suis même touché d'être là, de pouvoir donner et offrir ces chansons à ce public qui sera présent. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, Fly, c'est toi qui vas mixer pour Rodrigue dans la soirée ou... Oui. Ok, est-ce que tu te sens prêt? Oui, toujours prêt. Pour voir le public montréalais? Toujours prêt à relever un défi, toujours prêt à faire danser les gens avec plaisir. Wow. En tout cas, Jen, je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais être là. C'est demain soir. On va s'arranger. Exactement. Alors, c'est demain soir. Ça va se faire au Raphaël, d'après ce que j'ai entendu, et on attend beaucoup de personnes. C'est sûr, ça va être plein à craquer, je suis sûre. Exactement, parce qu'on n'attend pas juste les Antillais, les Antillais là, de partout, là. C'est pas juste haïtien, c'est tout le monde, là. De la Guadeloupe, ça va être chaud. D'après ce que j'ai entendu, ça va être chaud. Alors plus précisément, on attend tout le monde demain soir au 6246 boulevard Saint-Laurent. Ou un bel chasse, plus précisément, et en face du Raphaël, il y a le stationnement gratuit. Alors venez en grand nombre, venez supporter, venez voir Rodrigue Marcel qui a déjà de nombreuses années, qui n'est pas venu à Montréal, et également avec DJ Fly. Alors ça va être une superbe soirée. Il faut vraiment venir les encourager en fait. Alors Rodrigue, j'aimerais savoir, et je pense que le public aussi aimerait savoir, depuis quand tu as commencé à débuter dans l'industrie de la musique? Tu commences à chanter à partir de quel âge jusqu'à ce que tu arrives maintenant là où tu es? J'ai commencé à l'église. C'est en sortant de l'église que je vais intégrer un groupe de jeunes du quartier de mon âge. Je dois avoir 14-15 ans. Wow. Je commence à chanter à 14-15 ans et puis après, à 17 ans, je devais avoir 17 ans, 18 ans, enfin non, je n'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans et j'ai intégré un groupe mythique qui s'appelle le Typical Combo. C'est peut-être un combo. C'est beau le nom, c'est beau ça. Donc, j'ai parcouru, c'était pas des balles, hein, Donc, j'ai fait mes armes. En commençant par les balles. Au fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres musiciens avec qui j'ai évolué dans différents groupes, travaillant en studio, et voilà, jusqu'à ce jour. Waouh! C'est un grand parcours et vraiment extraordinaire, vraiment. Merci. Bon, c'est bien ça. Et également, DJ Fly. Oui. C'est sûr, pour devenir DJ, je suis sûr que
tu as travaillé pendant peut-être des longues heures à... Ah oui, c'est un boulot. À souvent, oui. Comme on dit, scratcher, comment, je ne sais pas comment... On va se cracher, mixer, m'entraîner. Exactement. Ah oui, ça remonte à plus de 18 ans où se faire connaître, on doit s'imposer. C'est ce que j'allais dire parce qu'il faut travailler d'acharnement. C'est un travail de longue haleine. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et ça, pendant des années, je l'ai fait. Et petit à petit, ben, mon nom s'est créé, le monde autour de moi s'est créé et j'ai évolué. C'est ça, mais comment je pourrais dire, est-ce que... Tu as trouvé des fois comme des embûches par rapport à mixer, surtout des fois qu'on sort de loin et de se faire connaître peut-être sur une plateforme plus internationale. Comment que tu as trouvé ça, tout ce cheminement-là? Ben après, c'est plus on se fait connaître, plus des gens à l'étranger se renseignent, ils veulent rentrer en contact avec nous pour qu'on représente les Antilles ailleurs. C'est-à-dire comme moi, je suis aussi producteur, je suis un DJ producteur, donc j'ai produit pas mal de musiques qui ont fonctionné à l'étranger également. Et donc c'est par rapport à ça, quand j'ai une chanson qui fonctionne à l'étranger, tout de suite, bon, les gens dans ce pays-là me contactent pour que je puisse reproduire, représenter le pays. Ah ok, alors ça veut dire comme tu es comme une plateforme dans le fond, où est-ce que tout le monde vient à toi presque, comme quand je parle au point de vue comme des étrangers d'ailleurs. Oui, voilà, un peu, oui, voilà. C'est DJ et artiste, ouais. C'est bien ça. C'est vraiment bien. Alors, Audrey, tes musiques que tu chantes, est-ce que c'est toi qui les as toutes écrites? Pratiquement toutes, paroles et musiques. Waouh! Mmh. Avec des collaborations, par exemple. J'ai écrit avec les Caracas, des choses qu'on connaît, avec Daniel Pinel, Jean-Marc Marcin. Là, c'est le meilleur, on parle plus de moi, monsieur, si vous m'écoutez, je ne m'écoute pas tout le monde. J'ai toujours qu'à collaborer avec différents mondes, on connaît la musique. Dans la musique, le zouk, oui, parce que le zouk, on peut dire, c'est une musique qui interpelle. C'est comme... un art, le zouk, c'est un art. Parce que c'est pas tout le monde hein, qui peut danser le zouk ou encore qui peut écrire des musiques de zouk. C'est pas parce qu'il est martiniquais, tu vois, c'est pas facile. Moi, en tout cas, je trouve que c'est difficile. J'ai un petit peu de connaissance dans la musique, mais je sais que c'est difficile. Mais pour que la personne arrive à ce parcours-là, là, ça prend vraiment beaucoup d'intelligence, tu vois. Et aussi, tous les parcours sont longs, tous les parcours sont fastidieux à partir du moment qu'effectivement on a un but dans la vie, ça ne passe pas. On sait ce qu'on veut. Ça ne passe pas de ce sacrifice. Oui. Là, et puis aussi le partage, parce qu'il y a des gens aussi qui vous écoutent, qui vous conseillent, qui vous parlent. Oui, exactement. C'est une simple chose. Voilà. Et aussi, je sais que moi personnellement, il y a une musique que je crois qu'on associe avec toi jusqu'à présent. Oh oui. Qui est J'ai soif de toi. Oh oui. Je crois que c'est cette musique. Soif de toi. Je crois que c'est. Bon, c'est sûr que tu as plein d'autres succès. Ça, je sais. Mais celle-là, on dirait que jusqu'à présent, malgré comme depuis les temps que c'est quand même sorti, à quoi tu peux. Qu'est-ce qui a fait que cette musique-là a eu autant de succès d'après toi? Si je peux, j'en ris parce que c'est pas... Mais pour nous ici, c'est une musique qui a joué beaucoup dans les bois. Ce que je veux dire, c'est que peut-on expliquer une inspiration? Peut-on la raconter? Peut-on en parler? J'en parlais tout à l'heure à mes amis en caméra. Non, c'était un jour, vous êtes là. Musique vous arrive, des paroles vous arrivent. Oui, et puis l'inspiration vient. Voilà, c'est l'inspiration, effectivement, et c'est tout un cheminement, parce que des fois, on a un flow, on a toute une chanson qui arrive comme ça, et puis on se met au piano, à la guitare, et puis on fait la mélodie, et puis après, on a le texte aussi qui arrive en même temps. C'est vrai que c'est tout à fait différent quand on s'assied, de pouvoir écrire, on a décidé de vous composer, c'est pas la même démarche. Donc vous êtes inspiré. Donc, effectivement, elle m'arrive comme ça, et donc je l'écris, et puis c'est vous qui allez faire le disque.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, cette musique-là, là, je me demande, est-ce que c'était une fille qui t'a inspirée à écrire cette musique? Parce que la musique, ça dit « soif de te revoir ». Si on s'aimait, nanana, est-ce que tu comprends? Alors, est-ce que tu as écrit cette musique pour quelqu'un que tu voulais sortir avec? Ou ça vient juste comme ça? Je sais pas. Ça demande de jamais. Parce que cette musique-là, il y a quelque chose en arrière, je suis sûre. Je ne sais pas ce qu'il y en a rien, mais qu'il y en a pas. On ne sait jamais. Il y a quelque chose. Il ne faut pas le mettre mal à l'aise. Mais je suis sûre que quand la personne entend cette musique, elle sait que c'est pour elle. Ça, c'est clair. Le message est passé, je suis sûre. Je ne sais pas ce qu'il y en a rien, mais ce qu'il y en a avant, effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis après, oui, oui, je peux dire davantage. Je peux dire qu'effectivement, dans les cultures, bon, on a une projection. C'est comme un scénario qu'on écrit, je pense. Hein, et on a des images, et donc les images nous accompagnent. Et puis, on peut situer à ce moment-là la chanson, et puis on peut se dire effectivement que bon, à tel moment on était dans telle imagerie, enfin dans tel espace, et que bon, on s'est présenté à vous, une fille, ou alors un endroit, et effectivement, non, mais je suis sérieux, je suis sincère. En fait. Là, je ne suis pas assis pour écrire en pensant à une femme. Et la chanson va être effectivement appropriée de cette manière, mais tant mieux finalement, puisque je me rends compte que finalement, 20 ans après, tout le monde a la même histoire. Mais c'est vrai parce que c'est une musique qui a été, qui a fait beaucoup, beaucoup. Je pense que des histoires comme ça vont toujours approcher les gens. Une chanson d'amour qui parle de deux personnes et puis qui laisse place à l'imagination. Alors ceux qui ont l'esprit fertile, effectivement. Mais... ça touche tout le monde. Imagine-toi, c'est un gars de faire la cour et puis bon, le gars n'a pas eu la fille. Et ou bien il n'a pas assez de courage pour s'approcher de la fille, pour lui dire que je t'aime, tout ça. Fait que, à un moment donné, le gars envoie la chanson à la fille. Le message est passé, hein? Mm-hmm. Tu peux comprendre ce que tu veux. Hein? Je suis très marrante. Mais pour en revenir encore une fois sur par rapport à quand tu as débuté, mais aussi le nom DJ Fly. Pourquoi DJ Fly? Est-ce que c'est parce que tu étais aussi fly? Soit tu l'es terme, soit que tu l'es encore fly. Non, c'est comme il disait, c'est une histoire d'inspiration. Ok. Il arrive un moment où on rêve d'être DJ, on a envie de mixer, donc on commence à mixer et on oublie qu'il faut trouver un nom de scène. Okay. Et c'est tout le problème de trouver un nom de scène et qu'il soit crédible, qu'il soit... c'est compliqué. Donc, moi, j'ai cherché pendant un moment, pendant plus de... Ça a été vite quand même. Pendant quelques jours, je cherchais un nom de DJ. Et c'est venu en regardant une émission de télé. C'était une émission de... C'était quoi? C'était Vincent Lagaffe, ça passait sur les chaînes françaises. Et pareil, il y a un DJ qui est arrivé. Et il a sorti une expression complètement bizarre. Il a dit « Est-ce que tout le monde est flyos ?» J'ai écouté ça, il dit Flyost, ça veut rien dire ce qu'il dit là. Et en même temps, je me suis dit ah, Fly, DJ Fly, Flyost, pourquoi pas. Et j'avais une émission de radio où je l'avais mixé 4 jours après. Et je suis arrivé quand le présentateur a commencé à me présenter. Il a dit bon, on a un nouveau DJ dans la place, donc il s'appelle. J'ai dit Fly. Il a dit ah ouais, c'est super, ça va, ok, DJ Fly. Et puis voilà, et puis depuis ce jour-là, ben, ça me colle à la peau. Wow. Mais ça va bien avec toi. Ça va bien avec toi avec ce que tu fais, surtout ça fait 18 ans là. Ça veut dire que tu fly vraiment. Oui, je fly. Ah, c'est un fly long courrier. Mais ça fait combien de fois que tu reviens à Montréal? Oh là 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 là. Est-ce que je peux toujours compter le nombre de fois? Oh wow. Franchement, ça doit faire plus de... facilement plus d'une quinzaine de fois. Ah bon, alors tu connais pas Montréal. Facile. J'ai même habité pendant quelques temps à Montréal. Ah oui, ouais. En plus. Mm-hmm. Alors qui veut dire comme ça que est-ce que l'environnement, l'atmosphère ici? Ah, j'adore. Moi j'adore Montréal. C'est mon pays de cœur. Ça, c'est mon pays préféré. Mais c'est un point. Ah mais c'est. Il y a des avantages et des inconvénients. Exactement. C'est comme partout. Hein. C'est comme partout. Mais Montréal, c'est ma ville de cœur. Ah, oui. Alors nous avons avec nous les deux promoteurs de la soirée qui sont Cédric et oui. Nous avons également aussi Storm avec nous. Alors qui vont
quand même aussi nous expliquer la soirée, le déroulement. Ils vont donner tout le reste des informations que le public a besoin. OK. Donc, il nous reste quelques billets. Il ne nous reste pas beaucoup de billets. Il nous reste à peu près une dizaine de billets. Donc, faites vite, faites vraiment vite. La soirée, c'est demain. Appelez-nous. Sinon, vous pouvez aussi tenter votre chance à la porte. Ce sera $25 avant minuit et demi. Et après, c'est plus. Donc, voilà. Alors, Stormy, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus en détail de la soirée parce que je sais qu'il y a des numéros de contact que tu as si toutefois des gens avaient besoin des billets. Oui, effectivement. Donc, la soirée, ça va se passer au 6246 Boulevard Saint-Laurent, coin Bellechasse. Et puis, vous pouvez récupérer des tickets à mon numéro 514-519-6382 ou à celui de mon associé. Alors, vous pouvez nous contacter au 514-513-6564 pour avoir les billets. Il n'en reste pas beaucoup. Faites attention. Alors, si vous voulez faire partie de cette soirée-là, vous savez où aller. C'est au Raphaël. Alors, je répète encore, c'est au Raphaël. Tout le monde connaît le Raphaël qui est au 6846. Saint-Laurent, coin Bellechasse. Coin Bellechasse, c'est ça, effectivement. Coin Bellechasse. Alors, faites vite parce que l'artiste s'est déplacé spécialement pour vous, pour vous faire danser, vous amuser, tout ça. Alors, il faut vraiment venir l'encourager. Aussi. Moi, je vais être là. Stationnement gratuit au Canadian Tire. Voilà. N'oubliez pas. Et le Canadian Tire est directement en face du Raphaël, ouais, pour bien préciser. Merci, Jen. Alors, on vous attend en grand nombre, super important, belle soirée. Et aussi, il faut dire que la soirée sera tout de blanc. Oui, c'est oui, ce oui, que oui, j'ai oui, entendu. C'est rétro white. Donc, c'est rétro white. Au moins une chemise blanche, là. C'est pas facile de s'habiller tout en blanc, mais. Exactement, surtout on est au mois de novembre. Ouais, c'est pas super chaud, mais quand même, je suis sûre que tout le monde a quelque chose de blanc, quand même. C'est pas super chaud, mais l'ambiance sera super chaude. Mais ah oh, ouais, ça c'est sûr. Surtout au rythme de la musique antillaise, le zouk, tout le monde aime le zouk. Alors, on va zouker. Alors, Stormy, dans la soirée qu'il va y avoir demain, est-ce que la soirée va être juste basée sur du zouk seulement ou est-ce qu'il va y avoir d'autres sortes de musique? Ok, en fait, la soirée est basée sur le thème du rétro. Donc, en fait, ça va être vraiment de la musique rétro des années 80 jusqu'à 2010 au maximum, n'est-ce pas, Fly? Oui, oui. Puis on essaie de viser vraiment le zouk, le compas, le hip-hop, la soca, vraiment les musiques qui ont bercé notre enfance, puis la génération 80, 90, etc. Ok. Alors, DJ Fly, si je comprends bien, tu vas faire zouker vraiment tout le monde avec toutes sortes de musiques. Ah oui, on va surfer sur tous les styles de musique, tout. Moi, je suis également DJ résident sur Trace FM, donc ça, Trace Haïti, Trace Antilles-Guyane. Donc, on va me faire une petite soirée, puis bien comme il le faut. Alors, Rodrigue, moi, j'aimerais savoir, pour la soirée de demain, on peut s'attendre à quel morceau que tu penses que tu vas nous jouer? Peut-être nous donner un petit soupçon, un petit aperçu. Je pense que tu n'aurais pas mis les chansons. Parce que moi, je sais qu'il y en a, j'en ai des préférés. Ben justement, t'en as des préférés. Je pense que dans le répertoire, il y aura ta préférée, sa préférée, oui. Vos préférés. Oui, parce que moi, je... Non, mais j'attends tout simplement de ce public, en tout cas de ce public, qu'ils viennent, nombreux, et puis apprécier, voire chanter aussi. Ces chansons, parce que c'est très beau de venir dans un spectacle et puis tout en dansant, chanter avec l'artiste. Ça sera très convivial, ça sera très, très familial. J'aime bien les moments comme ça. Où effectivement. Ça va être chaleureux, voilà, ça c'est vrai. Je serai investi avec le public, je serai avec eux, je ne serai pas sur la scène uniquement, mais je viendrai vers eux de manière à ce qu'on fasse une belle fête. Je pense que c'est ça le plus important. Et donc, je pense qu'il y aura. Matière à bien s'amuser. Ouais. Et pour toi, DJ Fly, à quoi qu'on peut s'attendre quand même demain pour cette soirée? Je vais vous rappeler tous vos bons souvenirs et puis je vais surtout renverser la soirée. Je vais passer une soirée d'enfer. Une soirée d'enfer. Alors arrange-toi. Hein.
Alors, ça va, alors, on sait déjà qu'on va zouker sur les, vraiment les belles musiques de zouk des années 80, 90 et aussi. Ah oui, pas que zouk, tous les vagues anciennes. Oui, toutes les, ah les oui, belles musiques. Ah oui, tous les styles de musique, la soca, tout, on est antillais, tous les styles exactement de musique. Exactement. Mais normalement, on va whiner. Ça sera nostalgique quand tu nous tiens. Oui, voilà, voilà. Ça va être vraiment la nostalgie. Mais normalement, ça, la soirée commence de quelle heure en fait? Alors, on vous attend à partir de 22h30. Les portes vont être ouvertes à partir de 22h30 et ce, jusqu'à 3h du matin. Voilà. Ouais, donc, arrivé tout, comme on dit chez nous, bœuf du vent, bouge l'eau clé. Bœuf du vent, bouge l'eau clé. Alors, ça veut dire arrangez-vous. Alors, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. On attend vraiment tout le monde et au moins porter quelque chose de blanc parce que c'est une soirée retro. De porter du lambi aussi. Oh, oh du lambi! Alors, on voit que. Je savais pourquoi je dis ça. Moi, j'ai découvert du lambi dans un restaurant, c'est vrai. Ok. Et j'imagine un super bon lambi. Oui, c'est super. Restaurant haïtien, c'est ça? Oui, je l'ai amené dans mon restaurant haïtien préféré. Je sais pas si vous connaissez sans doute. C'est, je sais pas. Ah, Stivana. Ah, ah oui! Et. Très bien. Tu as vraiment aimé. J'ai adoré. Alors, qui veut dire demain, on vous attend tout le monde, là, nos compatriotes haïtiens, avec du lambi. Alors, Rodrigue l'a dit, il veut du lambi. Alors, arrangez-vous, ceux qui ont des talents, cuisiniers, cuisinières, on vous attend. Alors, voilà. Alors, moi, je vais dire un grand merci à tout le staff qui est là et spécialement merci à Rodrigue de faire le déplacement. Pour venir à Jen & Jen Show et à Fly et tout ça. Fait que Stormy, merci. Cédric, merci. Il y a tellement de noms là. Alors merci et je vous souhaite beaucoup de succès pour demain soir. Je sais que ça va être vraiment bien demain soir. Alors c'est sûr, il va y avoir d'autres personnes, Jen, qui vont rester dehors. Ça c'est clair parce que la soirée va être vraiment pleine, je suis sûre. Oui, ah oui, une soirée pactée. Et nous connaissons pas moins de demain soir, Jen & Jen Show à plat. Et nous déjà connaissons depuis, c'est un bon bagage, Jen & Jen Show, toujours là, nous pour représenter. Alors, nous sommes tous compatriotes haïtiennes, tous fanatiques, nous venons supporter une soirée qui a fait une soirée malheur, une soirée fantastique. Ok? Nous sommes nous, Jen & Jen Show à plat. Effectivement, alors tant que nous sommes gardés là, encourager soirée sa quoi le fait là, encourage monsieur Rodrigue, non pas monsieur, il ne veut pas que je l'appelle monsieur. Alors encourage Rodrigue et tout le staff qui est là, DJ Fly, alors Alba et Love là, hein? Ils ont besoin beaucoup de love pour la soirée. Fait que donc on arrive à la fin de l'émission, Jen. Alors est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Moi, je sais pas. Comme toujours, tout nous. Tout le monde qui nous regarde, continuez toujours de vous abonner et de regarder les shows et de toujours nous supporter. Comme je dis tout le temps, je remercie tous nos abonnés. Et vous savez, dès que vous vous abonnez à la page Jen & Jen Show, il y a une petite cloche en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les émissions de Jen & Jen Show en exclusivité. Exactement, Jen & Jen Show, c'est Show Pow. C'est Chopam et c'est Chopam toutes. Alors rendez-vous pour une autre émission Jen & Jen Show. À la prochaine. Bye bye.